L'idée, c'est simplement de suivre en fait des yeux les pièces. Donc c'est pas grand chose. Je vous montre comment ça se passe. Regardez bien. On prend dans un premier temps le demi-dollar, ok? On fait un tout petit mouvement de la droite vers la gauche. Et normalement, les pièces voyagent. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Non, c'est impossible. Normalement, les pièces voyagent. Voyagent. Regardez bien, vous voyez bien les yeux. Les pièces voyagent. Alors, c'est bien, mais c'est dans ma main. Donc, dans ma main, vous allez me dire, c'est peut-être truqué dans ma main. On peut essayer, bah, du coup, dans ta main? Non. Je vais te mettre le demi-dollar dans la main, ok? Ce demi-dollar dans la main, et tu vas serrer ta main très très fort, ok? Serre la main très fortement et retourne-la. Et regarde bien. Je vais simplement frotter comme ça, regardez bien. On frotte tout doucement. Le demi-dollar revient. Si tu ouvres la main, retourne là tout doucement. Oh, et t'as une pièce chinoise. Oh, ça il est très fort. C'est une vraie pièce chinoise. Je vais tester la main ouverte tout doucement. Et rien en rien. Mettez bien les lunettes. Voilà. Et attention, si on fait un petit mouvement, on prend d'abord le demi-dollar. D'accord? Et regardez bien, si on fait un petit mouvement de la main droite vers la gauche, hop, les pièces voyagent, mesdames, de droite à gauche. Alors c'est bien, mais c'est dans ma main. Donc dans ma main, on va...